En réalité, on se trouve dans la situation d'un grain de raisin sur le territoire français. On a des milliers d'hectares, voire même davantage, de centaines de milliers d'hectares de vignes. Et dans la vigne, il y en a qui sont comme ça, l'est ici, c'est-à-dire le soleil dès le début de la journée, et de l'autre comme ça, c'est-à-dire la moitié descendante du jour. On en a d'autres qui sont orientés vers le nord, d'autres vers le sud. Il y en a qui prennent le vent de travers, de face, de côté, et les précipitations de dessus. Il y en a pour qui les précipitations, c'est quasiment tous les jours, et d'autres, c'est tous les 3-4 mois, etc., etc. Le raisin, il prend la forme que autorise la loi générale, qu'on appelle la météo. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la partie terrestre. Il peut être sur un fond calcaire, il peut être sur un fond sablonneux, etc. Par exemple, le vin du Bordelais qu'on appelle Grave ou Côte de Blaye, c'est du sable par terre. Ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Voilà. Donc c'est bien cette chose-là. Il faut voir le substrat dans lequel on a été fait. Ça, c'est notre thème de naissance, c'est la terre. Maintenant, le thème général, les modifications, tout cela, c'est le reste, c'est ce qui transit, d'où le nom de l'étude du thème par les transits. Ça, c'est pour vérifier que tu es bien dans la configuration initiale, parce que tu vas voir apparaître les événements tels que le décrit cette analyse.